tribunal première instance au Cap Haïtien recevoir un support dans mes ministères à NUD. Des institutions saillantes et déconstruit bureau, salle de réception et un salle d'audience pour tribunal Timoun dans zone. Grâce à un financement qui est évalué à plus passer 40 000 dollars américains. Projet construction ça fait partie objectif principal mandat ministère dans ça qui gagne à ouais avec réforme système justice en dedans pays. C'est surtout pour renforcer l'état de droit et surtout et également permettre à la juridiction de mineurs d'avoir sa plénitude comme le prévoit le texte parce que c'est une juridiction spéciale qui déroge du droit commun. Les enfants, les mineurs ne doivent pas être jugés par les juridictions ordinaires. Tribunal au Cap-là, c'est le deuxième tribunal pour Timoun qui gagne dans le pays. Pour Jean-Ralph Prévost, juge Timoun, tribunal a joué un rôle crucial dans protéger les droits de Timoun qui ont conflit avec la loi. Mais comment t'as voulu pour prendre un Timoun 12, 13 ans, 14 ans pour condamner la perpétuité non prison, le plus souvent, il pas vraiment comprendre la condamnation ça. Et Zach que le participe là-dedans, généralement, il pas vraiment connaître toute implication Zach ça que le commet. Nouvelle infrastructure ça, c'est un élément important pour soutenir l'état des droits en Haïti. Cependant, Jirisio pense qu'il y a un pile route qui peut faire dans quatre batailles juridiques là. Un pile bagarre était encore pour faire pour assurer que Timounio recevra un traitement juridique adéquat dans nos. Priorité numéro 1. C'est construction yon centre d'accueil pour mineurs. Juger yo c'est yon. Mais qui côté n'a voyo est-ce que nous capable voyo nan d'après là d'après la loi c'est pas ça. Donc yon ensemble de bagages qui rete pour capable faire encore pour accompagner tribunal là de telle manière que loi capable appliquer effectivement. À construction tribunal Timoun nan au Cap, Organisation Nations Unies a soutenu l'État dans la promotion et la protection des droits de l'homme qui est en conflit avec la loi.